Eh bien, bonjour et bienvenue sur Xbox Actu, la chaîne des Let's Play. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte. C'est Kart Rider Drift. Salut Laura, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc je disais, on se retrouve sur Kart Rider Drift sur Xbox Series X, mais il est disponible également sur Xbox One, PlayStation, PC, téléphone mobile. Le jeu est gratuit et il est crossplay, donc si jamais vous voulez l'essayer... C'est gratuit, donc c'est pas cher. Par contre, tiens, je ne sais plus. Il n'est pas disponible sur Nintendo Switch. Parce que je, voilà, en te voyant Laura. J'ai pensé à la Nintendo Switch. Donc, pas de Nintendo Switch pour le moment. Ça va super, Laura. Voilà, donc vous avez eu certainement des petites pertes d'image, mais c'est tout à fait normal parce que ça m'a mis sur internet, donc forcément ça bloque pour pas que vous puissiez voir que vous avez fait un coup. C'est bon, oui, c'est en fait ça déconnait, c'était volontaire, hein. C'était parce que ça me basculait sur internet, donc sur un site pour aller voir les conditions générales d'utilisation, tu sais, les trucs qu'on dit jamais en fait. Donc si jamais vous avez le jeu déjà sur mobile, vous pouvez lier votre compte mobile au compte Xbox ou PlayStation ou PC, hein, suivant le support sur lequel vous jouez. Et du coup, comme ça, votre progression... Alors... c'est quoi? Choisis tes paramètres de commande. Trouver la voie. Automatique, origine. Oh bah non, on va mettre d'origine. Hein. Active toutes les options de conduite assistée. Oh bah non, on va se mettre comme ça, histoire que je perde quand même. Alors, sélectionnez les commandes. Ah, accélération. Ah non, accélération écartée. Oui. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que je vais avoir une petite course un peu tuto. T'as vu, je fais vraiment des variantes, Laura, hein, sur mes... Alors, turbo au démarrage, octroie un boost de vitesse dès le début, oui, forcément. L'astuce, c'est de surveiller le compte à rebours de 3 secondes et d'accélérer quand tu vois le mot partez, d'accord. Donc juste au moment où ça dit partez, on y va. Et si tu essayais, appuie sur RT au moment où ça dit partez. Ok, on va essayer. Le compte à rebours va démarrer. J'ai réussi. Bon, là on est sur le tuto.
Avant qu'on s'entraîne, je vais t'expliquer les commandes. Ça va, je parle pas trop fort, la musique, tout ça, hein, surtout. Appuie sur RT pour accélérer et LT pour faire marche arrière. Ok. Tu te diriges avec LS, oui, forcément. C'est facile, pas vrai? Bah oui, c'est facile. Super. Pourquoi n'essaierais-tu pas de conduire jusqu'à cette zone lumineuse en utilisant ce que je t'ai appris? Attention à ne pas avoir d'accident. Bonne chance. Ah, je peux directement, d'accord. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Ouais, là ça va, franchement, c'est de mon niveau. C'est de mon niveau. Tous les circuits ne sont pas aussi simples. Mais tu n'as pas à t'en faire. C'est pour ça que j'ai inventé quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que tu as inventé? Ah, ça nous guide la course, c'est ça? Tadam! Ceci est un guide de circuit. Il te montrera où tu dois aller. Pratique, n'est-ce pas? Bah ouais. Tu peux l'activer dans les paramètres si tu veux l'utiliser. Non, je ne vois pas trop l'utilité. Ok, suis le guide et conduis jusqu'à la zone en surbrillance. Alors si je réponds pas tout de suite, c'est normal. Hein, c'est parce que j'essaie de me concentrer un minimum. Utiliser des objets. Voyons comment fonctionnent les objets. Ah, les petits objets à la Mario Kart, hein, carapace de tortue et compagnie. Tu trouveras des boîtes disséminées sur le circuit si tu joues en mode objet. Passe à travers une boîte pour obtenir un objet aléatoire. Ici, tu essaies de récupérer un objet. Ah oui, on va récupérer un objet. Et je vais prendre celui-là. Voilà. Regarde ton emplacement d'objet. Tu as ramassé un turbo. Tu peux avoir jusqu'à deux objets à la fois. Utilise-les en appuyant sur A. Lorsque tu utilises un turbo, tu gagnes en vitesse pendant un court instant. Tu dois maintenir RT pour accélérer pour utiliser le turbo. Appuie sur A. Bon, le tuto, il est vraiment bien expliqué, hein. Ouais, c'est la même chose que Mario Kart, c'est exactement ça. Ça ressemble, j'avais fait les bêtas avant. Nous voilà déjà à la dernière étape, le dérapage. Ah, le drift donc. Le dérapage permet de bien négocier les tournants et les virages serrés sur le circuit. C'est simple, appuie sur X tout en tournant. Ok, bon, on va tenter. On va tenter ça. C'est peut-être compliqué au début, alors je vais marquer la section bande dérapée. Ok. Ceci est une zone de dérapage, tu peux l'activer dans les zones paramètres si tu veux. Ouais, en fait, on peut avoir plein d'assistants. Hé, hey, Mamilo, comment ça va? Ça y est, non? Ah bah, on va dire, j'ai bien drifté, là. Continue jusqu'au prochain virage, ok. Ah, en fait, ça me pénalise leur truc de m'arrêter en route. Tu t'en sors très bien, mets à profit de ce que tu as appris. Ok, allez. Donc là, voilà. Génitro. Oh, il va falloir maîtriser le drift. Hein. Nitro, encore une fois. Alors si je réponds pas tout de suite, c'est que j'essaie de me concentrer sur la course. Nickel. Ouais, ça va super bien. Ça va super bien. Ouais, j'essaie avec le Discord. J'essaie, c'est tendu, hein. C'est tendu Discord. Hein. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses avec Discord à savoir. Mais bon, déjà je l'ai créé. Il est là, il existe. Et maintenant, Milo,
je participe à une émission le mardi sur Twitter. Il faut suivre soit moi ou soit ActuGeek, et je participe à une émission, et je vais participer à des podcasts aussi grâce à eux, donc ouais, je participe à ça. Il y a déjà un replay en partenariat avec Xbox Live FR, et ActuGeek, bah, il parle de tout, hein. Il parle aussi bien de tout ce qui est geek, c'est pas que jeux vidéo, donc vraiment sympa. Salut la Toulousaine, 31. Oui, on s'est parlé, je crois que tu étais, bah, justement je parlais de l'émission de mardi, je pense que tu étais présente mardi. Récompense de nouveaux pilotes. Et tu as raison, Wamilo, on dirait des personnages un peu... des personnages emblématiques de PlayStation quand même. Un nouvel ami. Oh, une Porsche. Ah, merci. Récompense quotidienne. Une récompense quotidienne a été envoyée dans ta boîte de réception. Ouais, voilà. Ah voilà, je me disais bien, j'avais vu la Toulousaine dans les personnes, dans les auditeurs, auditrices. Donc bien sûr, hein, il y a de récompenses quotidiennes, et il doit certainement y avoir un pass de combat, hein, il faut pas se mentir. Dévorer les kilomètres, d'accord. Il y a plusieurs paliers, donc il y a 24 paliers où on peut débloquer. Ça, ce sont les émotes où on regardez, voilà, je vous envoie plein d'amour et plein de petits cœurs. Ça fait plaisir, la Toulousaine, en tout cas. Donc, tiens, la Toulousaine, si jamais tu aimes bien, toi, mais j'ai mes petits avatars comme ça, tu vois. Attends, je vais te montrer que je ne te dise pas de bêtises. Voilà, c'est mon petit avatar de chaîne et ça, mes petits émotes. Et ben, c'est Milo Art. Si jamais tu aimes bien le dessin, elle dessine du Final Fantasy, du Dragon Age, vraiment de tout. N'hésite pas à aller voir sa chaîne, Milo Art, qui est parmi nous. Elle fait super boulot, elle fait des lives où elle dessine et puis on discute avec elle, tranquille quoi. Donc, vue d'ensemble. Voilà, donc j'ai gagné la Porsche. Ok, on va aller au garage. Ah bah voilà, boutique. Carte. Elle est où ma Porsche? On est d'accord que ça on dirait une carapace de tortue. Oui, mon petit Discord. Merci Willow. Donc oui, on est d'accord, hein, ça ressemble à... Alors moi je vais prendre la petite carapace de tortue parce que ça me fait penser à Mario Kart du coup. Accessoires, qu'est-ce qu'il y a comme accessoires? Oh, les roues à la Mario Kart, sérieux. Allez, je vais mettre des roues comme ça histoire de faire un truc un peu destroy. Le turbo, bon bah. On va mettre celui-ci. La plaque, on met l'éditeur ou pas? Bah non, on va aller avec les roues. Donc là, ça c'est bon. Maintenant. Améliorer, c'est là où le portefeuille va peut-être devoir... ouais, voilà. Là, c'est peut-être là qu'on va peut-être avoir besoin du portefeuille, je pense. Couleur, je change pas. Personnage. Alors, on a quoi comme personnage? Bon, on a... Ah non, il y en a plusieurs. Ah, la petite pirate, moi j'aime bien. On dirait le personnage de Beautiful Joe, lui. Oui, entièrement jouable en crossplay, PlayStation, Xbox, PC, téléphone portable. Et tu peux lier ton compte Nexon. Tu peux lier ton compte, genre si tu joues sur ton mobile, tu récupères ta... Un peu à la Fortnite en fait, peu importe ton support, tu peux récupérer ton... Ta progression. Allez, je vais mettre Beautiful Joe. Bon allez, hein. Emote, moins. Allez, je vais prendre ça et je vais aller directement dans le jeu, hein, parce que ça, à la limite, on s'en moque un peu. Je veux juste... Ah, passe de course.
Voilà, il y a un pass de combat. Il y a un pass de combat. Donc en fait, il y a tout en haut, on débloque, c'est ce qu'on débloque comme ça en gratuit. Et tout en bas, ce sont des pièces qu'on gagne et tout. Hein. Bah forcément, hein, le jeu est gratuit. Donc, alors, à combien est le pass? 500 pièces. Et 500 pièces, c'est... Ah bah. Voilà. Oh! 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 Eh non, c'est bon, j'ai trouvé ma voiture. J'ai trouvé ma voiture. Attendez, là, il faut à tout prix que j'aille dans le garage. Carte. Changer de carte. Bah ouais, je suis obligé. Je suis obligé, je suis obligé. Bon, et du coup, match rapide. Allez, on y va, c'est parti. Hey, salut, salut ActuTech, comment ça va bien? Tu vas bien? Bon, j'espère qu'il y a des gens pour jouer au jeu. J'ai mis partie aléatoire, donc normalement je devrais trouver du monde. Alors ActuTech, si jamais tu aimes, bah toi j'ai mes petits émotes, j'ai mon petit avatar, tout ça, c'est Miloart qui fait ça. Elle a une chaîne Twitch de dessin. Elle dessine comme ça en mode chill, tranquille. Sais pas ce que j'ai comme option, mais je le prends. J'ai pas écouté les conseils de Drift. Ah, ça c'était la carapace bleue, ça. Bon, c'est ma toute première course, donc faut pas se leurrer, je vais perdre. Surtout quand on tourne mal comme ça. Je suis tellement mauvais au jeu de course. Oh, ce qui m'a mis, c'est excellent ça. Alors si je vous réponds pas tout de suite, excusez-moi, j'essaye à peu près de faire quelque chose. D'accord, donc je peux me dégager de ce qu'il m'a fait. Ok. Ah, je crois que j'ai eu quelqu'un avec ma peau de banane. Donc je rappelle. Oh, je me suis pris ma propre peau. Je rappelle, le jeu est entièrement gratuit. Oh, j'ai fait deuxième. Comment j'ai fait? Waouh, Mister Nuts, Mister Nuts. Là, ça fait plaisir, là, ça fait plaisir. De quoi? Hello, bien, merci. J'hésitais à le lancer. Oui, c'est le jeu dont il parlait, qu'il avait fait les bêtas. Il avait fait les bêtas. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est... Mais ça va, c'est moins punitif qu'un Elden Ring. Et justement, à ActuTech, je parlais justement à Milo, de l'émission du mardi.
Changer de mode, il y a quoi comme mode? Ah, objet solo, objet duo. Mode objet, mode vitesse, mode permis, grand prix, contre la montre, course personnalisée. Non, c'est mieux mode objet, franchement. Allez, on va faire encore quelques courses. Détail des objets, non. Allez, on va commencer la recherche de partie. Et donc, j'expliquais l'émission. L'émission, c'est à 21h, de 21h à 22h, Milo. Oui, free to play, actu. Free to play avec passe de combat, disponible sur mobile, PC, PlayStation 4, 5 et Xbox One et Series. Eh, hey, salut Mickelman, ça va? Ouais, tu peux venir en... tu participes, t'es là à l'espace, t'es auditrice. Et si tu trouves qu'on dit des grosses bêtises, eh ben, tu peux demander à intervenir et tout. C'est Live Atinium qui... de chez Xbox FR, qui m'a parlé de l'émission. Il m'a parlé de l'émission et j'ai participé à l'espace et après j'ai intervenu puis maintenant bah vu que ça se passe plutôt bien, on va voir hein, la deuxième bien sûr, hein, la deuxième émission. Parce que comme je dis à chaque fois et je dis tout le temps à Aki, je suis tout petit moi, donc et le fait déjà d'être de participer à ce genre de d'émission, je suis plutôt super content vraiment ça. Oh, j'ai raté la pub, enfin le bloc. On peut en avoir deux de bonus. Ah, alors ça, je pense que c'est la carapace bleue de Mario Kart. Alors, je vous réponds tout de suite après, hein. Allez, accélère, accélère. Par contre, c'est uniquement en ligne, hein. Il n'y a pas de hors ligne. Avoir. Yes, premier. Alors Milo, ta. Oui, aussi. Donc alors la division sont bien, au moins tout le monde s'écoute et se respecte. Alors on est bien d'accord la Toulousaine. C'est ça. Et moi après je suis tout nouveau, hein. Je viens d'arriver. Sur le truc, mais ah, il était bien. On en parlait justement Acutech du avec Acutech et puis Live Atinium. On en parlait de justement de ce fameux Mario Kart version Sonic. C'était Sonic Transform. Ils avaient fait une version Transformed. Je préfère mettre des courses avec objets, hein. Comme ça au moins ça fait vraiment Mario Kart. Oui, cross-platform. Ah, Laura, ça y est, t'as un petit émote. Ouais, Sonic Racing, ouais, voilà, c'est ça. Oui, cross-platform, PC, PlayStation, Xbox et mobile. Android et iOS, hein, forcément. Hein.
Mais c'est ça, et avec tous les personnages. Avec tous les personnages de Sonic et tout. Et puis, ça permet d'avoir. Ça permet d'avoir un Mario Kart sur Xbox ou PlayStation. Bah, j'avoue que c'est cool. Hein. Ah mince, on va entendre. Ouais, on t'a entendu, frère. Salut les gars, désolé, je suis en stream, hein. C'est pour ça que je... Alors si je parle, c'est pas que je suis fou. D'accord, ça marche mec. Bon, ça va là. Bon, après, je suis un peu fou quand même. on l'est tous plus ou moins. Ouais. Alors, vous en pensez quoi de ce petit jeu gratuit? Pas mal. Ah, ça va, c'est pas mal là pour le moment. Là... Ouais, moi je suis sur. Bah là, c'est ma deuxième course. Je trouve ça. Deux, troisième course, je trouve ça plutôt pas mal. C'est gratuit, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que ça change de Mario Kart. Ouais, ouais voilà. Et puis ça permet d'avoir. Bah, toi, moi, bah, moi je suis sur Xbox. Ça permet d'avoir sur Xbox ou PlayStation une sorte de Mario Kart, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était ce qui manquait un peu. Sur les consoles, hein. On n'a pas ce genre de jeu à part. On a que des jeux de guerre, enfin un peu plus mature, on va dire. C'est ça. Ça me dérange pas, j'aime bien, hein, mais. Ah, c'est bien joué ça. Bien joué, Starting Tomorrow, si jamais c'est parti des personnes. Ah, je voulais la première. Voiture des gamins. C'est ça, on est d'accord, la Toulousaine. Allez. Alors. Ah, tu vas tester. Bah, si tu veux, on pourra faire une petite course actu si tu veux. C'est ça, Mario Kart gratuit. C'est ça, c'est un Mario Kart gratuit. Par contre, je vais aller voir dans les paramètres. Je vais aller voir dans les paramètres si je peux pas ne pas mettre les ne pas entendre les gens. Ah non, je sais ce que je vais faire. Hop. Voilà, je vais créer un groupe. Voilà, j'ai créé un groupe. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Vous m'entendez toujours ou pas? Ouais, c'est bon, j'ai mon retour. Ouais, super. Le jeu, bah écoute, pour l'instant, je le trouve plutôt sympa. C'est sympa comme jeu, comme je dis, bah, je disais justement avec les gars avant, pendant la course. On n'a pas ça sur Xbox, on n'a pas ça sur PlayStation. Il y en avait un sur PlayStation qui avait été fait avec Molecule Studio, enfin ceux qui font Little Big Planet. Ils avaient essayé PlayStation. Il y avait Crash Team Racing aussi, CTR, qui était très très bon sur la première PlayStation. Et là, Actu, du coup, il est content parce qu'en fait, on parle de vieux jeux. Donc, quand on parle de vieux jeux, c'est là où c'est le mieux. Bon, les gars, calmez-vous, hein, quand même. Putain, c'est une petite banane. Oh, je dois aller où? Oh! C'était chaud là. Ah
Ah par contre quand tu manges un quand tu manges un mur, tu manges un mur, hein, c'est quoi ça? D'accord, c'est l'étoile. Comment il a cette idée lui? Alors attention, le parfum comme se faire avoir comme tout à l'heure. Ah oh. Ah non, mais ils me volent tout, ils me volent tout les gars, ils me volent tout. Bande de voleurs, bande de voleurs. Touchez pas ma voiture Xbox. Je serais capable d'acheter une voiture comme ça. Tellement je pigeonne à chaque fois. Je suis premier, ils vont me la mettre. Bah oui. J'ai tiré d'avance. Oh, comment il a volé là mon ami. Deuxième. Alors, pour un free to play, je m'attendais pas. On est bien d'accord. Ah, d'accord, la Toulousaine. Bah écoute, tu joues sur quoi, la Toulousaine? Tu joues sur Xbox, PlayStation? PC? Non, console. Donc, console, c'est Xbox ou PlayStation. Parce qu'il n'est pas sur, il est pas disponible sur Nintendo Switch. Donc. Ouais, voilà, CTR, c'est mythique. Bah oui. Aujourd'hui, CTR, je suis sûr que tu le ressors. Tu ressors CTR. Merci, la Toulousaine. Adversaire de matchmaking. Entends les adversaires. Non. Ah, matchmaking, pour qu'il fasse jouer seulement contre l'IA. Veux-tu inclure d'autres pubs? Non, non, moi, je joue comme ça, moi. Obtiens ton permis. Bon, on va essayer de faire ça. Faire ça, bon, on va essayer comme ça. Moi, je montrerai quelques petits trucs en plus. C'est pas mal, Xbox. Yes, et ben écoute, hésite pas. Hop, si jamais tu veux faire une petite course, attends, hop. Voilà, hésite pas à m'ajouter. Ah, d'accord, ce sont des épreuves. Ah d'accord, il faut que je les chope, c'est génial. Ah, les voitures rouges doivent rapporter plus de points, je pense. Ah, il me faut encore 3 points. C'est sympa ces mini-jeux en fait. Ah non, non, je peux encore en faire, en fait. Défi accompli. Super, wouhou. Ah, 35 points. Bah attends, je peux certainement le recommencer. Ah, j'attends parce que j'ai mon truc de stream qui est... Attendez, j'ai un décalage. Réessayer, voilà. Je vais réessayer comme ça au moins je comprends le truc direct. Eh hey, salut Athenium, ça va? Donc là j'ai capté le truc hein. Faut que j'attende qu'il y ait beaucoup de voitures, voilà comme là. Des voitures rouges surtout. Ah, j'ai complètement raté là. Hop là.
Voilà. Allez, il faut. Allez, je vais atteindre les 35. Ce serait bien. Donc je disais, Athenium, avant que tu arrives, Milo c'est une amie, hein, c'est une amie perso, je la connais, hein, et si jamais tu aimes, tu vois, mes avatars, mes émotes, bah c'est elle qui me fait tout, on s'est rencontrés, et du coup, elle fait les choses super bien, et si jamais vous voulez aller voir sa chaîne, elle est vraiment super, en gros elle est là, elle dessine, on discute un peu de tout, des fois on va parler aussi bien d'un film que de musique, que d'un concert, que d'un festival, que voilà. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, Amilo, elle est vraiment cool en plus. Et c'est totalement différent, je veux dire, elle fait pas de gaming, elle fait... Alors, c'est quoi cible verrouillée? Et même si elle faisait du gaming, j'en parlerai aussi. Hein. Alors, je fais comment? Ah, d'accord. Oh, je suis bête. Ah, il faut que je... Ah d'accord, j'ai pas vu. Il me dit qu'il doit toucher. Là le jaune. Et ça a touché le rouge. Voilà, d'accord. Bon, bien sûr, je recommencerai cette course où j'ai été totalement pitoyable. Je sais pas si j'ai réussi. Yes. Milo, n'hésite pas à mettre. Ta chaîne. Donc là, le rouge. Le jaune. Et le bleu. Voilà. Maintenant, il faut que je tienne le jaune. Bleu. Le rouge. Yes, j'ai réussi. De rien, attendez, je regarde un petit peu ce que je voulais dire. Échec ou réussite alors? Ouais, défi accompli. Défi suivant. Ça va, ça vous plaît? Ça vous plaît que je vous montre un peu tous les modes? Ah, merci beaucoup les gars. Franchement, Milo, vous allez voir. De toute façon, je suis souvent sur ses lives aussi. Hein. Je suis modo aussi sur sa chaîne. Après, c'est du dessin, elle fait vraiment des super dessins, elle partage beaucoup sur sa chaîne. Elle partage sur sa... Oh, qu'est-ce que je fais ? Sur sa page... Elle partage sur sa page... D'accord. Sur sa page Twitter. Ah, j'ai raté. Ah, j'en ai plus. J'en ai plus. Ah, évite les barricades.
Bah non, en fait, je vais pas lire évite les barricades parce que j'ai dit que j'allais éviter les barricades et je prends toutes les barricades. Bah c'est quand même tendu hein, la barricade, elle nous arrive dessus comme ça. Ah ouais, mais attends, tu l'as mon milieu. Je crois que j'ai réussi, ouais, yes. Son compte Twitter, c'est Milo Arts aussi. Attends, par contre, le compte Twitter, ça, Milo, ça va sur Twitter. Je vais pouvoir trouver ma Milo. Ah, ma Milo, elle est là. Milo Arts. Ça, je vais pouvoir vous le mettre. Elle est géniale, Milo, franchement. Et pareil, si jamais vous avez des bannières ou quoi que ce soit à faire, alors après, je connais pas du tout son planning, mais elle peut vous faire des bannières, tout ça. Bien sûr, après vous voyez avec elle, hein, côté financement, tout ça, c'est Milo qui gère, hein, mais. Et elle fait de l'excellent boulot et vraiment elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute de tout ce que vous demandez. Si vous voulez un dinosaure avec des jumelles vertes. Et je crois que le jeu a planté. Je crois que le jeu. Ah non, c'est bon. Si vous voulez un dinosaure vert avec une chemise orange et. Et une casquette des Lakers, et ben elle va vous faire un dinosaure avec la casquette des Lakers quoi. Défi terminé, je pense que ouais, je suis au moins sur le premier défi. Oui, oui, j'ai précisé multiplateforme, crossplay sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, mobile et PC. Et j'ai même précisé iOS, Android. Et je pense que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, surtout live, dis-le, hein, dis-le. Hein. Ouais, j'ai tout précisé qu'il était free to play et elle passe de combat. Par contre, j'ai pas vu le tarif parce que j'ai pas osé appuyer. C'est pour pas que ça mette encore un blanc. Mais c'est 500 pièces pour le pass de combat. Je crois que je suis en train de refaire. Ah, avec des virages. Ok. En fait, il faut que je drift. Il va être un peu plus tendax celui-là, j'ai l'impression. Et toi, t'en penses quoi alors de la version définitive du jeu live? Défi accompli. Oui, Mika, il y a du contenu. Bah, de toute façon, je crois que je vais arrêter les trucs et je vais faire des courses. Ce serait pas mal. Je vais faire des courses, je vais te montrer. Ouais, il y a un pass de voiture, en fait, t'as un pass, un peu comme dans les passes de combat habituels, où tu as tout le haut, c'est la partie gratuite. Tout le haut, c'est la partie gratuite, et tout le bas, regarde, hop, pass de course. Voilà. Tout ce qui est en haut, tu le débloques gratuitement, et tout ce qui est en bas, ça fait partie du pass.
du pass classique, toi, genre la voiture, les pièces. T'as des récompenses gratuites et tu as, tiens, c'est vrai, t'as 40 paliers. Il y a 40 paliers et le personnage ultime à débloquer, c'est celui-ci, c'est Pim Étoile Montante. Voilà, un perso rare. Oui, tout. Tu peux vraiment tout faire, des roues à la voiture. J'ai une très belle voiture Xbox, hein, je précise. Après, bah tiens, événement. T'as aussi des événements à... Voilà, t'as des événements à faire pour récupérer des récompenses, toi. Hop. Hop. Des émotes. Toi, t'as plein de choses par rapport aux événements. L'événement se termine dans 20 jours. Donc ça, j'ai fait. Là, la Porsche, je l'ai faite. Et on va aller changer de mode et puis on va se refaire une petite course, hein, c'est pas mal. Ah, tu l'avais mis, je l'ai pas vu. Le pass voiture, est-ce que tu l'as pris, toi, le pass voiture? En tout cas, ça fait plaisir de voir Mickaël, la Toulousaine, live, de voir tout le monde. Ah ouais, ce serait super de se faire vraiment une course tous ensemble. Moi je valide la course. Oh. Je valide direct. Ah, définis l'ordre de premier arrivé, ok. Oh, j'ai complètement raté mon coup là. Hein. Oh. Oh, le stack. Wow, ça à mon avis je touche, c'est pas mal. Il m'a attiré. Oh bah oui. Hey, ils m'ont envoyé tout ce qu'ils avaient, les gars. Comme pour Mario Kart, hein, on peut envoyer les items en arrière. Je suis pas sûr, mais je crois que je me suis mis mon propre truc dans la tête. Ah, elle était pour moi celle-là. Ah, dernier, non, j'y crois pas. Bon bah c'est fait. Ouh, je me suis sauvé à la dernière minute. Yes, pas de soucis live. De toute façon, comme d'habitude, hein, on se capte plus tard. Ouais, merci beaucoup live, c'est très très sympa. Tu vas le test aussi, Mika? Yes. Bah écoute, Mika, tu joues sur, alors la Toulousaine, c'est sur Xbox. Tu joues, quel que soit ton support, n'hésite pas. Si on peut jouer ensemble, ce serait cool. À la prochaine en tout cas live, et puis de toute façon, dans le pire des cas, on se capte mardi pour l'émission d'Actu Geek. Hein, il a dit chez. Ah, j'ai progressé dans l'un de mes défis. Allez, on va refaire une petite. On va refaire encore une petite course. C'est ça.
En fait, le devoir l'appelle, c'est qu'il va essayer de s'entraîner sur Elden Ring, mais il va pas se filmer. Il va pas se filmer, tu sais, pour pas qu'on le voit rager, et il va pas dire « Ah !» Ah bah regardez, justement, on voit, je pense que je joue avec des joueurs PC, là. Il y a un joueur Xbox, c'est Frosty. Frosty 1972, et tous les restes, ce sont des joueurs PC, je pense. Yes, n'hésite pas à ajouter mon... à m'ajouter, hein, Jedi 62, DJODI, enfin, je l'ai écrit tout à l'heure, et si jamais vous voulez le voir, ce serait avec plaisir que je me ferais une petite partie, et je sais que... avec Actu, on pourra y jouer aussi parce que lui il joue en cloud, donc j'ai pas vérifié si... Ah non, ce jeu est peut-être pas en cloud, mais toi tu joues sur PC, donc c'est bon, on pourra tous... on pourra tous être copain-copine. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Oh! Je suis pas sûr, je crois que je me suis pris mon propre truc aussi dans la tête. Bon, en tout cas, pour un free to play, il est survalué. Ce jeu est gratuit, il y a vraiment moyen de s'amuser, s'amuser entre potes, quoi. Et ça manque des jeux où on peut jouer entre amis. Oh non, je l'ai fait. Ouais, si, je l'ai refait. Ouais, là, là. Dernier tour. Allez, que je fasse pas dernier, allez, allez, allez. Moi j'ai un objectif à chaque fois, c'est de ne pas être dernier. Oh, je l'ai évité de justesse. Yes, premier. Yes, à Toulousaine, merci beaucoup. Merci. Sur mon gamertag, du coup, vous l'avez sur mon classement de course. Tintintintin. Alors bon, on va encore faire quelques petites courses. Hein. Et si vous voulez, on s'organisera une petite session. Une petite session où on jouera ensemble. Ce serait cool. Participe à cette course, ouais. Je vais aller voir dans ma boîte de réception parce que je crois que j'ai gagné des choses. Ah bah oui, j'ai gagné un émote en colère. Ok, donc ça c'est fait. Profil, qu'est-ce qu'il y a dans mon profil défi premium? Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai débloqué? Les permis, voilà, je les ai pas fait. Mode objet, mode vitesse, d'accord. Ah si, là-haut. Distinction. Ah bah voilà. Accompli. Collectionne les bons objets. D'accord, il y a ça aussi alors. En gros, ce sont des succès, ça. Si vous voulez voir les succès du jeu, les succès trophées, ils sont là. Ensuite, dans le garage. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué? Carte. Changer de carte. Donc j'ai gagné une magnifique Porsche, hein, je précise quand même. Les accessoires, donc vous voyez quand on disait qu'on pouvait customiser totalement sa voiture.
Ah, je vais mettre ces roues là. Ah, la plaque d'immatriculation. Donc on peut personnaliser son son turbo. Et la plaque, du coup, j'en ai une nouvelle. Ah bon, on la voit mieux celle-ci, donc c'est mieux. En tout cas, j'espère que pour les personnes que, bah, comme la Toulousaine, Michael, ça, j'espère que vous passez un bon petit moment en ma compagnie. Vous avez vu, hein, j'avais dit, hein, moi je suis un petit streamer, hein, je suis tout petit. Je suis tout petit, mais voilà, je partage à chaque fois avec passion. Ah, il est pas mal ce petit perso. Oh bah. Allez. Soyons fanboy jusqu'au bout. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si Michael, tout ça, si Michael la Toulousaine, je sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, mais je mets tous mes replays, je upload comme j'avais expliqué. Donc je sais pas si vous êtes abonné à ma petite chaîne YouTube. Il y a le lien, il est en haut du chat. Ce serait sympa, j'essaie d'atteindre les 350 abonnés. Et actuellement, je suis à 347 abonnés. Donc, je suis tout petit, mais j'essaie de me développer un petit peu. Donc, bah ouais, mais c'est ça, bah, c'est super gentil en tout cas. C'est super gentil. Ouais, moi, j'ai pas les moyens les moyens de tous de tous les grands, tout ça et je sais plus avec qui j'en parlais l'autre jour, mais le souci c'est que quand t'es petit, on va refaire une course. Ah, je vais mettre duo, tiens, pour voir ce que ça fait. Quand t'es petit, tu achètes tes jeux pour pas faire de vues et pas gagner d'argent dessus. Et quand t'es grand, je parle des grands youtubeurs qui en vivent, hein, et ben tu reçois tout gratuit et tu gagnes de l'argent dessus et tu fais des vues. Ouais, bah ouais, voilà. Et puis après, tu sais, Mika, moi je suis super content d'avoir. Un petit peu de monde sur les lives, pouvoir discuter avec les gens, avoir des échanges aussi sur YouTube. Je vois que j'ai 7-8 personnes maintenant qui mettent des commentaires sur YouTube. Et quand tu sais, quand t'es petit, puis que tu vois, tu reçois le petit mail qui te dit, la petite notif qui te dit que tu as eu un commentaire sur YouTube, tu te dis, bah c'est génial parce que voilà, je peux répondre et tout. Ça fait plaisir en tout cas. Bon, j'avoue, je fais le gros fanboy avec la voiture, la tenue. Ouais, il y en a qui vont prendre la foudre. Alors là, j'ai fait un truc en team. Hein. On est en team, donc équipe rouge chez moi, mais là il y a le bleu qui est premier. Donc je crois qu'il faut essayer de se le faire. Enfin, j'espère que j'ai pas balancé ça à un ami. Contré là. Ah, c'est abusé, non? C'est pour moi ça. Ah
Alors il faut surtout pas que je touche à mon ami rouge. Ah yes, yes, j'ai fait deuxième. Yes, merci, merci, merci. En duo, c'était pas mal. On va faire un A solo la position. Ah, bon. Allez, on va refaire une petite course. On va encore en faire, on est pas mal là. Et la prochaine fois, on est d'accord, Milo, si jamais ça te tente, essaye de t'installer, il est gratuit de toute façon. Et ce serait vraiment cool qu'on puisse se faire des petites sessions ensemble. Ah ouais, non mais... Et puis, aujourd'hui, c'est tellement rare d'avoir un jeu comme ça, parce que bon, les jeux, on peut jouer ensemble, on est d'accord, ce sont des gros jeux de shoot de malade, et puis c'est tout. Alors, je pense qu'Itachi, il est sur PlayStation, et que Kidgel, il est sur PC. Parce que là, ils mettent la petite manette, donc je pense qu'il doit être sur PlayStation. Donc, vous voyez, le meilleur des mondes. Des joueurs PC qui jouent avec des joueurs Xbox, qui jouent avec des joueurs... PlayStation, PC, voilà, le meilleur des mondes. Que tout le monde s'aime et que tout le monde kiffe son jeu. On s'en fout qu'on joue sur PlayStation, qu'on joue sur Xbox. Le but c'est de s'amuser, c'est pas de se tirer dans la tronche quoi. Bon, par contre là, je suis pas sur une performance là pour le moment. Là. Je sais pas ce que ça fait ça le. Ah bah si, je crois que je l'ai vu, ça m'a fait. J'ai une petite image qui m'a dit que. Oh bah oui, peau de banane pour moi. Allez. Oh! Ah, elle est horrible la peau de banane! En fait, elle me le. Bah ouais, j'ai raté mon coup, bah ouais. Bon, bah là, je suis sur une performance totalement nulle. Hein. Je vais essayer de rattraper mon retard, mais je crois que je suis un peu mal barré quand même. Le jeu, il voit que je suis tellement mauvais qu'il me donne plein de micro. Oh, dernier, la honte. Oh, j'y étais. Alors, Milo... Milo a joué sur PC, Xbox et PlayStation. Ah, tu l'as partagé sur Twitter ou pas, Actu? C'est sur quoi aujourd'hui C'est sur quoi aujourd'hui ton article? T'as vu, je like et j'essaie de partager à chaque fois ce que tu mets.
Je vais mettre match rapide, on va voir un peu. Hein. En mettant match rapide. Ah, à mon avis, il y a une censure. Je sais pas, j'ai un truc de censure de chat. Attends, je vais aller voir. Si. Ah non, t'as fini l'article. Donc si t'as fini l'article, t'as peut-être pas encore... t'as peut-être pas encore partagé sur Twitter. En tout cas, merci beaucoup du coup de pub. Ça m'a... Et le coup de pub, tu l'avais fait, alors, juste pour vérifier, tu l'avais fait sur, sur ma chaîne Twitch ou sur ma chaîne YouTube? Parce que tu m'avais dit de te prévenir si, si je gagnais des abonnés, des vues. Ah yes, vas-y, comme ça je vais partager tout de suite, le temps que ma petite course se lance. Alors là, ça c'est moi. Ouais, Chrome j'ai déjà fait, donc ça doit pas être encore Ah super, merci. Ouais, bah ça se voit. J'ai gagné pas mal d'abonnés, c'est super sympa en tout cas. Donc là c'est en mode course, j'ai mis course aléatoire, hein. On sait pas trop ce que c'est le mode de jeu. Bah bon, c'est un mode objet, hein, de toute façon. Bah je pense que les gens sur ce genre de jeu, ils vont jouer majoritairement au mode objet, je pense. Il y en a un, je crois qu'il n'est pas parti. Haha. Vous pensez m'avoir, les gars. Ah, pas la tête. Bien mis, là. Ouais, je crois que lui il a pas fait la course, il y en a qui a dû abandonner, je pense. Oh mince. Allez, tant que je fais pas dernier, je n'ai pas de honte. Bah après, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je perds tout le temps, donc c'est bon. N'est-ce pas, Milo? Je me fais tout le temps tuer et je perds tout le temps dans les jeux. Yes, deuxième. Bon, deuxième, ça va. Attends, je vais voir ça. Je reload. Ah bah voilà, 5 jeux de plateforme, oubliez la Super Nintendo. Voilà. C'est bon. Oui, c'est assez comique d'ailleurs. À chaque fois on dit... Là il manque des petites personnes qui sont souvent là. À chaque fois on dit que c'est une tradition. En live, si moi je meurs pas ou si je me fais pas réutiliser... C'est pas normal en fait, c'est pas... J'ai triché, c'est pas possible, j'ai cheaté le jeu, j'ai fait quelque chose, c'est... Bon, j'ai relancé une petite course aléatoire. Ah! Alors je sais pas qui est un pseudo qui commence par Pou. Ah, Mickaël, bah là c'est bon, j'ai...
J'ai. Ah bah voilà, donc la Toulousaine, d'accord. Du coup, j'ai tout le monde. Ce sera l'occasion de se faire des petites courses et puis pourquoi pas faire d'autres jeux. Hein. Moi, alors, j'y joue pas beaucoup, mais parfois je joue à Fortnite. J'ai eu ma petite période où j'ai joué, j'étais mauvais. J'ai réussi quand même à faire des top 1, mais je me demande encore comment je les ai fait, mais j'en ai fait. Hein, tu veux m'attraper? Ben voilà. Hey, j'ai eu quelqu'un avec ma peau de banane. J'ai bloqué son attaque. Pour l'instant on forme une équipe correcte. Oh, il a pris un step le gars devant moi. Oh mince, oh, c'est pas grave, on est copains donc ça passe. Oh, une peau de banane dans un virage, c'est méchant ça, non? Bon, cette option là, j'ai pas encore capté. Je pense qu'il faut que j'attende d'avoir Oh. Oh, la peau de banane de la loose. Oh bah ça va, je ferai deuxième quand même. Yes, deuxième. Ah oui, ce serait super. En tout cas, la Toulousaine et Mika, au plaisir bien sûr de faire une petite partie ensemble. Ça va, j'ai gagné des pièces. Bah en tout cas, ce petit kart rider drift, moi je le valide parce que sans prise de tête, tu t'amuses et puis voilà. Défi lésien. Ah, il faut faire des. Il faut participer à 5 courses de vitesse. Bon, on va essayer de voir là-haut, non? Là-haut, mode vitesse. Je vais essayer de faire une course de vitesse, on va voir. Bon, à mon avis je vais perdre hein, parce que je maîtrise pas trop le drift donc je pense que ça va peut-être être compliqué. Mais moi si je joue à ça, moi je veux que Trafal, Milo, je veux que Trafal il joue avec nous parce que vu comment il est trouille. D'ailleurs je vais peut-être, je vais certainement faire aussi un stream sur le dernier Project Zero. Si vous aimez les jeux flippettes. Ah d'accord. Bon, on va faire pareil alors hein, mode course. Recherche vitesse. Bah ouais, mais j'aimerais bien faire une course de vitesse mais bon, peut-être que j'en fais des courses aléatoires, je sais pas. On appellerait ça le live des flippettes. Le live des flippettes, ça pourrait être sympa. Les flipouilles. Ah, il est pas mal là, on dirait qu'ils ont une sorte d'avion. Oh.
Bon, et puis au moins, je vous montre plusieurs courses. Ah, celle-ci, j'ai déjà fait l'Egypte. Ben, on se calme, les gars. Ah ah, il y a quelqu'un qui a pris. Power. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? On est copains les gars, hein, on est. Oh les bleus qu'ils nous ont mis. Waouh. Je suis touché par la grâce à chaque fois. Un cadeau mon ami. Et bon, un peu de moins. Par contre, on peut également avoir ses amis, c'est dommage. Allez, c'est gagné. Yes, premier. Ouais, c'est que sur PC, hein. C'est que sur PC. Mais après, pourquoi pas un Evil Dead ou un Dead by Daylight. Oh, j'ai gagné des pièces. Détail. Ah, j'ai pas vu détail. J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, et puis franchement, ce genre de jeu, il peut sortir facilement sur. Je vais mettre match rapide. Ce genre de jeu peut sortir facilement sur sur console. Hein. Après, il y avait un jeu. Alors, je sais, moi, j'y avais joué et malheureusement, il a bidé totalement. J'avais adoré. C'était Vendredi 13. C'était génial, je veux dire, t'avais un gars qui était le tueur, on était des survivants, et en fait, quand on se parlait entre nous, et eh ben si le tueur était à proximité, il nous entendait parler, et il était vraiment hyper stressant, genre il fallait récupérer de l'essence, il fallait bien, si tu faisais pas ça en équipe, t'étais foutu quoi, si tu te la jouais solo, bah ce jeu, là le jeu de cartes, franchement il fait... C'est très très Mario Kart quand même. Ah, il y a l'aspiration. L'idée, ils vont me détester en fait. Donc là normalement il va se faire soulever. Voilà. Il fait ça au gars sur la ligne d'arrivée, il a la rage. Est-ce que quelqu'un a pris ma peau de banane? Oh, je me suis raté total. Et là, on va mettre un peu d'orage sur leur dans leur vie. Bon, sixième, c'est pas une bonne perf hein, pour le moment.
Ah, j'ai eu quelqu'un. Allez, ça décolle. Alors, si je vous réponds pas dans l'immédiat, c'est normal. C'est combien? Cinquième. Bon, c'est ridicule. Alors, Dead Space sont sortis. Ah, attends, je regarde, hein, la musique, ouais, c'est ça, ta, pas de dispo. Non, pas dispo en cloud, bah, c'est pas un jeu Game Pass, hein, c'est un jeu free-to-play, donc, mais par contre, tu peux y jouer sur mobile et PC. Et dispo mobile et PC, tu peux jouer avec nous depuis ton mobile et depuis ton PC. Tu peux jouer avec les joueurs console et les joueurs PC. Phasmo, ça fait un moment que j'ai pas joué. J'adore jouer à... Ah, Among Us, oui, je l'ai aussi, Among Us. Le gros truc de traite. Ce serait pas mal de se faire un Among Us. Alors, Dead Space sont sortis. Ne pas relancer le 2, ne pas relancer le 2. On est d'accord. Et surtout, ne pas lancer le 3. Je vais devoir expliquer à la famille que je suis pas dispo. 6 mois. C'est ça. C'est compliqué après de dire à la famille. Bon, écoutez, là, je suis désolé la famille, mais... comment vous dire? Je ne pourrais être dispo. Alors moi c'est sur quoi? Moi toi par exemple si je faisais un Souls, si je faisais un Soul-like, je me ferais tuer parce que j'exploserais mes manettes en 23 morceaux. Ouais, il est génial, ouais, il est très très bien le remake de Dead Space. J'y ai joué aussi. J'avais fait un live sur ma chaîne que j'avais mis sur YouTube, mais vu que les grands, ah bon, on l'a jamais fait cette course. Vu que les grands l'avaient fait, avaient déjà fait des lives, ça sert strictement à rien quand t'es tout petit, en fait. Je suis passé totalement sous les radars, quoi. Je veux dire. Le problème de l'algorithme de YouTube, en fait, c'est que si t'es tout petit, on te regarde pas, en fait. Oh, du coup, moi, j'ai joué tranquille dans mon coin. Moi, les jeux d'horreur, bah là, je ferai des streams sur Resident Evil 4 Remake, parce que je suis un gros pigeon, donc j'achète 4 fois les mêmes jeux. Je sais pas si vous vous souvenez de la pub Free, il a Free, il a tout compris. Bah en fait, moi j'aime beaucoup racheter plusieurs fois les mêmes jeux. Bon, je suis 7ème, c'est... Je suis sur des performances... Allez, mettons-nous un petit coup de micro. Un petit peu de micro encore une fois. Oh bah tiens. Est-ce que quelqu'un va se prendre ma carapace par hasard? Allez, dernier coup! Logiquement, il y en a un qui va se faire enlever par les extraterrestres. Allez-y, poussez-moi. Ah, Jedi frappe Jedi, bah voilà. J'arrive même dans ce jeu à me mettre mes propres options sur la tête. Allez, on y va.
Oh, on est quatre premiers, on est les quatre premiers. Ouais, le problème du Dead Space 3, on en avait parlé, hein, bah, je crois qu'on en avait parlé dans l'émission de mardi, c'est que ils ont pris un virage, ils ont pris un gros virage action et c'est dommage quoi. Alors. Ah voilà. C'est quand même bien Discord. allez, on va faire encore une petite course, je pense. On va faire encore une petite course. J'espère que je vous ai convaincu du coup là sur ce coup-là. Moi je suis gentil parce que vous avez vu, je vous fais la promotion des jeux que vous n'avez pas payé. Bon, après le pass de combat, j'ai vu que c'était 500 pièces, mais il faut pas se mentir, je pense que 500 pièces, j'ai pas vu à combien ça équivaut, mais ça doit être 10 euros. Comme c'est un peu la mode, hein, entre 8 et 12 euros les passes, on a tendance à appeler ça passe de combat même, les passes saisonniers à chaque fois c'est... Et ça c'est le genre de musique bien entêtante aussi. Un peu loin à chercher les courses rapides quand même. Ah d'accord, c'est moi qui ai choisi pour chercher les parties rapides. D'accord, je vois, c'est 4 joueurs, voilà. En fait, là, vous voyez, sur le côté en bas, c'est écrit mode objet et 4 allumés. Donc ça veut dire qu'on joue à 4. Ok. Et là, c'est 2 joueurs Xbox et 2 joueurs PlayStation. Contre des joueurs PC. Alors, on va leur montrer un petit peu... on va leur montrer un petit peu à ces joueurs PC... 500 pièces, c'est 6 euros. D'accord. Ouais, ah, donc ça va, il est pas excessivement cher le pass de combat. Et puis après, moi je pars du principe où, tu vois, le jeu il est gratuit. Un jeu de ce style-là. Hein. Le jeu il est gratuit. Et, ah, ben ils m'en mettent deux dans la tête. Toi, tu peux mettre 7-8 euros pour un DLC ou un pass. Et c'est pour ça que moi avec le Game Pass, un jeu que j'achète, les Season Pass, les DLC, ça me saoule un peu. Mais quand j'ai le jeu dans le Game Pass, j'ai tendance à acheter plus facilement un DLC ou un pass de combat. Et je me dis, alors façon de parler, je n'ai pas acheté le jeu, bon. On se part du principe que 13 euros l'abonnement, tu fais un jeu, t'as amorti. Hein. Et puis c'est ce matin, je parlais sur Twitter avec Atinium. Disait le Game Pass même à 20 euros, c'est ultra rentable avec le nombre de jeux qu'il y a quoi. Ça vaut encore le coup, donc ils ont encore une belle marge de progression au niveau tarifaire. Bah là les joueurs console, bah bim. Ah bah voilà, bah merci. Alors je regardais sur Microsoft Store. Ah oui voilà, parce que moi j'osais pas regarder pendant le jeu, parce que sinon tu sais ça va m'éjecter et vous allez avoir un vieil écran d'accueil comme ça a été le cas au début. 12 000 pièces sont... Waouh. Attends, 12 000 pièces sont 20 euros. Donc tu m'as dit, attends, 500 pièces c'est 6 euros. Eh mais j'ai pas perdu une course en fait en équipe, hein. J'ai gagné toutes mes courses. C'est exceptionnel pour, c'est suffisamment exceptionnel pour le souligner. Passe de course, on va regarder.
Augmente en passe de course, alors. Ah d'accord, il y a différents niveaux. Ah, on peut acheter des niveaux, ok. Ah, on peut acheter des niveaux pour aller plus vite. Et acheter... Ah, non, ça c'est juste pour acheter un niveau. Ah, déverrouiller le pass premium, voilà. Donc 500 pièces, donc 6 euros. Pour 6 euros, on a le pass premium S1. Pack de course premium S1. Pack pass de course. D'accord, il y a ça plus 100 trophées. Ok. Donc grosso modo, pour 12 euros, on a le... On a le gros gros pass quoi. Ça va. Ça va, à condition comme d'habitude, hein, à condition de jouer au jeu. Si tu joues pas au jeu, l'intérêt est totalement ridicule. Donc le dernier que j'ai, c'est celui-ci que j'ai eu, ouais. Je sais pas pourquoi. Alors profil, il y a toujours un truc en rouge. Peut-être d'un grand prix, non? Ah, grand prix, j'ai vu qu'il y avait un mode grand prix. Est-ce que je peux faire genre mode grand prix? Impossible de rejoindre grand prix. Les conditions de participation au grand prix sont laissées ci-dessous. Ah, il faut que j'ai le permis B1. Ok. Oh bah ok, c'est bon. Vous voulez pas les gars. Ah bah voilà, du coup j'ouvre à tout. Ok, mais je préfère jouer en équipe, c'est plus sympa. Allez, je fais encore une course. Oui, c'est que du cosmétique, hein. Oh ouais, c'est pas du pay for win. C'est pas ça, c'est en gros tu vas gagner une voiture, tu vas gagner un emote, tu vas gagner un petit emote, tu vas gagner un personnage, un skin. On ira voir après, je l'avais regardé au début, le pass de combat, on va regarder un peu son contenu. Ah, j'ai eu quelqu'un... J'ai eu quelqu'un à la peau de banane. Et ouais les gars, faites attention à vos bananes. Laissez pas traîner vos déchets. Ah, il y a aussi des petites parties qu'on pourrait faire aussi, c'est sur, sur Fall Guys. Quand on entend la musique, ça me fait penser aussi un peu à Fall Guys. Il y en a un qui va se faire enlever par les extraterrestres. Hein. Eh, arrêtez de me pisser les gars, c'est bon. Eh! Combien je suis 5ème? Oh là 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 là. Oh. Excuse-moi mon ami, excuse-moi, t'es un pote. C'est de la même team, mais il y a un moment je peux pas laisser passer ça. Ah non non non! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non! Qu'est-ce que j'ai fait? Et ben voilà! La course de trop! La course de trop! C'est la course de trop! Vous savez, j'ai tout gagné! Juste avant, j'ai dit j'ai gagné! Je dis oh là, je fais toute dernière course! Et la petite dernière course, c'est toujours celle où je vais être le plus ridicule!
On va aller voir le pass de combat. On va aller voir le contenu du pass de combat. En détail, on peut voir. Oh, il faut, faut regarder très très vite hein, un détail. Alors. Boutique, c'est juste pour acheter. Ah, bah voilà. Y a... Alors déjà, il y a ça. Événement KuCoin boutique. On peut acheter des packs taxi new-yorkais. Ah oui, donc là on peut acheter plein de skins déjà. Alors je trouve ça un peu abusé parce que... Ah, on peut acheter avec des pièces. Ça c'est bien. Les pièces qu'on gagne in-game. Par contre... par contre je suis désolé mais... là on est sur un pack à 850, à 10 euros le skin. Bah ouais, bah voilà, on est dans, le, on est dans les prix habituels des packs. Hein. Alors le pass de course, donc voilà ce qu'on peut gagner. Oui, c'est que cosmétique. Voilà, ça c'est ce qu'on peut gagner en autocollant. Ouais, voilà, c'est que cosmétique. Hein. Bien sûr, on gagne des pièces pour repayer son, pour pouvoir repayer automatiquement son pass de combat. Ce qui nous incite à jouer pour pouvoir déverrouiller et ne pas repayer le pass de combat. On gagne des pièces. Chaque palier, il y a quelque chose. Oui, voilà, ce sont que des autocollants, des kartings. C'est uniquement cosmétique. C'est joli, ça. Ouais, voilà. Ça, c'est le kart ultime que tu dois gagner au pass au level 40. Mais par contre, le personnage, on peut le gagner gratuitement. Et dans les défis... Défis quotidiens. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, après, il y a les défis. Et après, il y a les défis premium. Donc ça, je pense qu'il faut acheter. Ouais, voilà. Voilà, et après, il y a des défis premium qu'il faut faire où on gagne encore des pièces et compagnie. Sur 8 semaines... En haut, on voit, c'est écrit semaine 1 jusqu'à semaine 8. Ensuite, défis événements. Les défis d'événements sont des défis à durée limitée qui auront lieu indépendamment des saisons. D'accord, donc il y a des petits événements que tu peux faire peut-être pendant une journée ou deux pour avoir un skin spécial, un truc comme ça. Un skin exclusif ou pas. J'aimerais bien faire tenter une course en mode vitesse, ce serait vraiment cool. Ah, partie trouvée, bah voilà, je vais pouvoir essayer ça. C'est de ma faute en fait, je vais valider qu'en équipe. Donc là, je peux être soit solo, soit duo, soit, soit équipe de 4. En tout cas, il est très très bien. Allez, c'est vitesse, hein, c'est ça. C'est quoi, on est sur un, on est sur un timer de celui qui fait le meilleur tour, un truc comme ça. D'accord, quand on fait pas d'erreur, je pense que si on drift, on gagne plus facilement du boost, je pense. Oh, c'est chaud ici. Avec les souches d'arbres, c'est balèze. Allez, je vais essayer de ne pas être dernier. Bon, je pense qu'en tout cas, je vous aurais bien présenté le jeu. Hein. Vous aurez vu le jeu sous toutes ses coutures, comme on dit. Oh, je mange tous les murs. Pour l'instant, ça va, je ne suis pas dernier. Je refuse d'être dernier.
Alors ne pas me faire avoir une nouvelle fois par les souches d'arbres où je me fais tout le temps avoir. Yes, je suis pas dernier. Ouais, voilà, je pense que la présentation elle est plutôt cool. Enfin, en gros, vous savez ce que c'est quoi, vous avez compris. Donc là, j'ai fait un mode course. Bon, j'ai fini quatrième. Donc je suis pas sur le podium, c'est vraiment triste. Je suis un peu triste. Et toi, Mamilo, tu streams quand la prochaine fois, lundi? Je vais essayer de relancer, on va voir. Tu restream lundi? Après, je regarderai en off réseaux sociaux. Je pense qu'on peut relier à notre Discord, Facebook. Ah, bah écoute, si demain tu stream, je serai dispo. Je serai dispo en viewer modérateur. En tout cas, merci pour toutes tes infos aussi, la Toulousaine, c'est vraiment très sympa. Bon, les gars, trouvez-moi une petite course, non? J'essaie d'annuler et redémarrer. On va voir. J'aimerais bien vous faire une petite dernière quand même, ce serait plutôt cool. Bon, alors on va faire changer le mode. Mode objet, de toute façon, les gens vont tous jouer dans ce mode-là. Non, c'est sympa parce que tu vois, bah, des fois, on n'a pas forcément le temps de tout regarder. Et je sais plus, parce que je pose tout le temps la question, je sais plus si Mika ou la Toulousaine vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Mais n'hésitez pas. Il y a 400 vidéos pour l'instant. Il y a de tout, hein. Il y a du Miraculous, il y a du Miraculous, du Resident Evil, du Zoro, il y a du jeu d'horreur, du jeu de voiture. Pas trop de jeu de voiture, parce que je suis pas trop jeu de voiture. Je parle de voiture pure. Je suis pas très jeu de voiture, donc il y en a pas beaucoup. Mais il y a des jeux de plateforme. Il y a des jeux un peu moins connus aussi. Parce que moi j'aime bien présenter des indés. Des jeux un peu moins connus. Comme Brock, il y a un Brock the Investigator, alors j'ai un super accent anglais, qui est très très bien, qui vient de sortir. C'est un point and click vraiment sympa. Là, normalement je suis protégé, non? Je me suis protégé. Eh, lâche-toi toi. Allez, on y va les gars. En speed, hein. Oh. Ah, j'ai utilisé mon boost au moment où il m'a attrapé. Dommage. Vous aurez également remarqué que je suis pas le roi du drift. Il reste un tour, hein, c'est ça. Ouais. Ah,
Ah, j'ai pas encore réussi à atteindre le haut. Ah, mais si on prend les mêmes items, ça va pas aller. On est en équipe, les gars. On est en équipe. Ça s'appelle une chute. Ah bah là je prends tout. Oh. Je suis passé de premier à dernier en 2 secondes. Suite à une magnifique erreur. Ouais, je l'aurais mis cher. Ah yes, yes. Et alors Actu. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup Mika et merci beaucoup la Toulousaine. Y a mon lien hein, dans le chat qui est normalement qui est épinglé. Alors et alors ça se passe comment? Il faut obligatoirement avoir un compte ou on a jusqu'à demander genre voilà si tu sais que le gars s'appelle Tartampion, tu recherches Tartampion et c'est bon. Donc voilà, là, donc tu seras Red Coyote. Ok. Ah bah je le vois, réseaux sociaux, tiens. Là-haut, regarde. Je pense que... Je vais regarder après. Je crois que ta requête est arrivée en haut. Par contre, je vais regarder un peu partie personnalisée, voir un peu le nombre de courses qu'il y a. J'ai pas regardé ça, je crois, encore. En tout cas, j'espère que vous passez un super moment. Comme je vous avais expliqué lors de mon intervention dans l'émission d'ActuTech, moi je suis cool, je suis... Je partage par plaisir. Allez. Ah d'accord, j'avais pas vu, je peux intervertir mes items, d'accord. Bon, j'en ai deux. Ah le quadruple enchaînement balayette manchette Là j'enchaîne tout ce que je pouvais. Bon, je maîtrise pas encore vraiment le drift, hein, je vais le dire. Les copains, donc je vais pas leur mettre un truc dans la tête. Les gars, on est amis. Hein. En fait, les gars, ils n'ont pas compris. C'est comme tu sais, quand tu joues à Battlefield et que les gars, en fait, ils n'ont pas compris que c'était du capteur de drapeau, en fait. Je
pas me refaire avoir. Je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. Allez, allez, allez. Pas dernier, pas dernier. Quatrième. Ah bah voilà, on fait quatre places. Alors, je regarde. C'est sans prise de tête, avec que de la bienveillance. Ouais, voilà, demain en live, je vais peut-être bosser sur... Ah, donc dans ce cas, ça va être le meilleur live. Ça va être le meilleur live. Tu sais, parce que moi, comme je t'avais dit, moi, j'aimerais bien avoir... on en avait parlé un peu, enfin, on en reparlera un peu en off, ce que je voulais par rapport aux miniatures, YouTube, tout ça. Tout. Alors je vais aller voir ce que je disais, liens réseaux sociaux. Alors boum boum boum. Voir si justement j'ai plus qu'à t'accepter comme ça au moins. Ouais, voilà. Alors, réseaux sociaux. Demande d'amis en attente. Confirmé. C'est qui ça? C'est toi? Demande en attente. Ah, voilà, comme ça au moins on sait déjà qu'on est amis. Voilà. Ah bah voilà, on a les amis du compte Nexon, l'éditeur et développeur éditeur, je sais pas si j'ai juste vu Nexon donc et Xbox, ça ce sont les amis Xbox et après le groupe quand on fait un groupe. D'accord, donc on peut faire un groupe de 4. C'est nickel. Bon, allez, je fais une petite dernière, comme ça me fera un petit live sympathique de 2 heures, je pense que c'est plutôt cool. Ah, attends. Réseaux sociaux, alors... fait ça. Ah bah voilà, accepté. Donc là normalement on va pouvoir faire un duo, t'es d'accord? Bon. Alors moi je mets prêt. Voilà, t'as plus qu'à te mettre prêt. Bah voilà, regardez, hey, la condition du direct. Allez, on joue direct avec toi, avec Acutech. On se fait une petite course comme ça, moi vous verrez un petit peu ce que ça donne. Le multi. Donc on est en mode objet. Eh bah c'est bien, bah du coup on a une autre course. Bon, souhaitez-nous bonne chance parce qu'on va en avoir besoin. Bon alors t'es où? Ah t'es là, t'es le rouge. Oh! Oh! Saleté de buisson anglais. Ah bah c'est bien, du coup je reçois pas une demande d'amis. À London. Ah, vous mettez peut-être une banane les gars, mais moi vous mettez peut-être de l'orage, mais moi je mets une banane.
Ah. Ah non, pas encore ce foutu bus. Je contre. Oh, je prends le fer là. Je vais changer pas de température. Bah, c'est comme Mario Kart en gros, quand t'es premier on veut te tabasser. Allez, ça passe. Oh non! C'est pas vrai, je suis pas d'accord, je valide pas. C'est quoi ça? Oh, quand tu arrives à être là-haut, le boost que t'as, trop bien. Oh, mince. Yes, premier. Allez mon coyote, allez mon coyote, allez mon coyote, allez, allez, allez. Voilà. Eh les gars, franchement, les amis, on peut pas mieux finir. D'accord. Première partie en team. On est tous les deux premiers quand même. Là sur ce coup là. Sur ce coup-là, il n'y a rien à rajouter. Hein. C'est. Bon ben voilà. Eh, on a assuré l'actu. Hein. Bon voilà, bah moi je vais m'arrêter là hein, quand même. Mais vraiment, il est super validé ce jeu. T'as vu la prise en main, elle est rapide, hein, l'actu. Elle est vraiment rapide. Allez, sauf si tu veux refaire une petite course. Ah, oh, Artieuse, salut Artieuse. Est-ce que tu veux te refaire une petite course, mon petit actu? On s'en refait une? Allez, on s'en refait une parce qu'on est bien ensemble. Ça va, Artieuse? Il y a tout le monde, il y a Milo, il y a plein de personnes qui sont là. Ouais, c'est chaud. Ah, d'ailleurs, Artieuse, vu que je sais que tu as Twitter, n'hésite pas à suivre ActuTech. N'hésite pas à suivre ActuTech, chaque mardi à 21h, c'était dispo entre 21 et 22h. Il y a une petite émission où on parle un peu de tout, de rien. La fois dernière, on a parlé de Dead Space, de Guilty Gear. Et tu peux être auditrice et tu peux également intervenir, savoir. Et je participe du coup. Donc si jamais ça t'intéresse. C'est l'occasion de parler jeux vidéo et pas que. Donc, n'hésite pas à suivre ActuGeek du coup sur Twitter, comme ça au moins. Bon, moi je sais que je partagerai le lien de l'émission, mais voilà, comme ça au moins ça permet de faire aussi une petite pub. Pour Actu et Xbox Live FR aussi, Live Latinium. Bon, si je réponds pas, c'est que j'essaie de regarder la course. Bah si. Voilà, c'est difficile de l'éviter quand même les coups. Alors Victor, vu que tu débarques, ce jeu, si tu veux jouer, il est free to play sur Xbox, PlayStation. Je sais que tu joues sur Xbox, toi, donc,
Oh, je t'ai grillé. Je t'ai grillé à la fin. C'est Kart Rider Drift. C'est Kart Rider Drift, Arthiez. Et t'as vu, sur la ligne d'arrivée. Allez, on va pas finir là-dessus. Allez, on en refait une petite. Franchement, à quoi on voit qu'un jeu est bon? À quoi on voit qu'un jeu est bon? Bah c'est simple, c'est quand on a du mal à le quitter. Donc voilà, donc comme je vous disais, si jamais vous avez Twitter, ActuTech, petite émission chaque mardi de 21 à 22h. Alors 22h15, on va dire, je sais qu'il va dire aïe 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 aïe, parce qu'en fait on déborde tout le temps. Il déborde, la fois dernière il m'a dit 22h. Mais ils ont également des podcasts, ils font beaucoup de choses, ils sont sur Reddit, donc plein d'articles et tout. Ouais. Allez. Et il va pas, il va plus se laisser faire, il va plus se laisser faire. Oh, une petite peau de banane, elle est bien dit, c'est celle-ci. Oh. Bah je crois que j'étais pas synchro sur la course là. Je suis avant-dernier, c'est honteux. Je vais pas prendre le boost parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Voilà. C'est cadeau mon ami. Au revoir. Ah, il m'avait mis un petit barrage. Oh non, je l'avais contré. Ah, en fait, je me suis pris deux items sur la tête. Ah, je crois que ça, c'est mon item préféré. Alors, ne pas prendre le... Alors, non, ne pas prendre... Le mur, ne pas prendre le mur. Bon bah dernier pour moi. Magnifique dernière place. Il s'est vengé. Ah il m'a eu. Il m'a eu. Et j'ai mangé un mur à la fin, mais méchant. J'ai pris cher. Bon voilà. Ben ouais bah on a fait une course, on était tous les deux premiers. Bah là on finit par une course, on est tous les deux derniers, on est bien. Bon allez. Bah moi je vais m'arrêter là les amis. En tout cas, ce jeu il est vraiment super sympa. Je rappelle hein, il est free to play, disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC, mobile, Apple ou Android, mais pas sur Switch. J'ai pas vu sur Switch, donc bon voilà. On a ramassé devant. Oh, ouais. Bah, moi j'ai pris un stop mur. Hein. Le stop mur, il était.
Et Stop Mur, il était pas mal. J'ai bien aimé. Bon, voilà. Bon, allez. Ben moi je m'arrête. Ouais, merci beaucoup la Toulousaine, merci Milo, merci Artilleuse, merci Actu, merci Mike, merci Live. Enfin, merci à toutes les personnes qui sont passées et qui passeront. Comme d'hab, hein, je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à partager, liker. J'espère que vous avez passé un super moment en tout cas en ma compagnie. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à ma petite chaîne YouTube. Hein, y a le lien dans les commentaires et dans le commentaire épinglé. Il manque 3 abonnés pour atteindre les 350, mon prochain objectif. Donc voilà. Allez, merci. Et moi, je vous dis donc à très très vite. Donc normalement, là, c'est week-end bientôt. Donc non, demain, il y aura certainement un live. Mais samedi, dimanche, pas sûr. Voilà. Allez, salut tout le monde. Et franchement, on s'est fait une super partie. On a joué avec, avec des gens. Donc et la prochaine fois, on essaiera de s'organiser. Allez sur mon Discord. On essaiera de s'organiser... une petite partie à 4 joueurs, c'est vraiment super sympa. Allez, salut tout le monde, à très vite.